Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Dans le feu de l'action, mercredi le 11 mai. Les marchés sont en baisse, surtout aux États-Unis, 100 points sur le dollar, principalement en raison de Walt Disney qui se corrige fortement. Puis aussi les titres comme Walmart là, à cause de Macy's, là, les gros retailers, les grands magasins sont en forte baisse. Les résultats financiers de Macy's sont pas bons. Puis je pense que c'est vraiment parce que Amazon est en train de gruger de plus en plus de parts de marché. C'est pour ça que Walmart aussi est en baisse. Donc, 100 points sur le Dow, 20 points sur Nasdaq, 13 points de hausse sur Toronto. Ça donne ça. On est quand même sur des points importants là, en ce moment. Toronto fait rien, mais le S&P 500, on a fait un bas ce matin, on a rebondi, puis là, on a rechuté. Donc, on a quand même un sommet, deux sommets, trois sommets négatifs. Si on brise les 207,5, là, on pourrait continuer à la baisse aujourd'hui. Donc, point important en ce moment. Sur Toronto, c'est complètement stable, mais un secteur qui avait l'air super beau ce matin, là, que c'est la catastrophe en ce moment, c'est le secteur horrifère. On avait vraiment l'impression qu'on allait avoir un cycle qui allait commencer, puis on a tout perdu par la suite. Vraiment, on a commencé au début de la journée, mais ça s'est accéléré juste après les inventaires de pétrole. On a fermé, exemple, Kinross qu'on avait dans notre portefeuille, là. Il ne nous en reste pas beaucoup. Le gars, il est rendu en élan baissier, Kinross. On l'a fermé un peu plus fort que ça. C'est dommage parce que c'est quand même une grosse cote aujourd'hui qu'il y avait. Ça avait l'air super beau. Donc, tous vos titres tarifaires qui ressemblent à ça, là, il faut les fermer. Donc, quand je regarde le secteur, lui, il reste encore dans sa formation neutre. D'ailleurs, HGD est quand même intéressant aujourd'hui. Mais Eldorado reste plus fort. Garder un titre comme Asanka Gold, tout perdu. Si jamais on l'avait acheté durant la journée, là, parce qu'il y a eu des beaux points d'entrée en début de journée, il faut sortir si on n'était pas sorti. Là, on ne veut pas se ramasser avec des pertes. Alasur, donc la majorité des titres, ce qu'on avait dit ce matin, c'est qu'il y avait possibilité d'ouvrir des positions avec un, excusez-moi l'anglicisme, mais avec un mindset de day trading en début de journée. Puis si le mouvement se poursuivait, on pouvait les continuer. Donc on a avorté complètement le mouvement. Il n'y a pas beaucoup de titres qui ont fait des deuxièmes mouvements, c'est là qu'il fallait les acheter. Mais si vous êtes revenu après le deuxième mouvement sous votre prix payé, puis vous disiez qu'il pourrait avoir un rebond, là, avec l'accélération qu'on continue à avoir dans l'or, moi, je sortirais de ces positions-là avant que les pertes commencent à être plus importantes.
Il n'y a pas d'élan baissier autre que Kinross pour le moment, là, qui avait ses résultats financiers, mais on voit quand même beaucoup de faiblesses. Osisko Gold aussi décroche. Mais c'est, donc, je pense que surtout ceux qui ont acheté aujourd'hui en day trading, il faut sortir. Ceux qui ont acheté en swing trading depuis plusieurs jours, vous pouvez continuer d'attendre de voir si il va y avoir un décrochage de vos positions. T'sais, exemple, si je prends Barrick Gold, si je l'ai acheté ici, je peux toujours attendre. Si j'avais Yamana, si je l'ai acheté ici, ça commence à chauffer. Si je l'ai acheté ici, je vais quand même être beaucoup plus patient que ça. Là. C'est ça la stratégie. Donc, secteur alifère, un des plus faibles. Si on vient voir les autres secteurs, bien là, c'est le secteur énergie qui peut être intéressant. Là, on a brisé tous les sommets d'hier. Le pétrole est en bonne hausse sur ses inventaires. Puis le secteur minier au Canada, si on avait un mouvement qui nous ramènerait en haut de notre double sommet, ça pourrait être beau. Dans les ressources, bien, c'est vraiment le pétrole, on le voit bien. Sur les inventaires, on est passé en hausse. On est rendu en hausse de 1,29$ ou de 3% à 46$. 46$, on ne l'a jamais encore passé. Ou en tout cas, si on l'a passé, ça n'a pas été long. Aujourd'hui, le momentum est assez fort pour qu'on soit capable de le briser. Si on regarde ça, là, nos marchés, puis on va arriver au pétrole. Nasdaq, on a une très légère correction. Si on l'avait acheté ici, TQQQ, là, on aurait été en mesure de prendre des profits hier. Sinon, ça pourrait rebondir. Il ne faut pas s'inquiéter avec la correction des marchés. Sur le Dow, c'est sûr qu'on parle presque le deux tiers de la cote d'hier. Sur le S&P 500, c'est à peu près la moitié. À Toronto, c'est marginal. Croissance, on est en hausse. Il y avait Nemaska Lithium qui était intéressant en élan haussier ce matin. Puis regardez l'élan haussier sur le pétrole. Mais le pétrole, ce qu'on veut voir, moi, c'est briser ce point-là. Là, on est vraiment revenu ici. Si on brise ça, le secteur d'énergie va être le plus intéressant. Or, on dégonfle depuis ce matin. Puis l'argent aussi. Le dollar américain, on est en bonne chute. L'euro, on est en élan haussier. Puis le dollar canadien aussi, on est fort. Une demi-cent de hausse avec le pétrole. Bien, on reprend. Est-ce qu'on va revenir vers les 79 cents ici? C'est quand même encore presque un 2 sous qu'il faut faire. Mais on est resté sur notre ligne de tendance ici. Puis là, on rebondit. Donc, ça, c'est bon. Et quand on vient regarder, c'est ce qu'on a. Donc, on va aller faire les nouvelles. Après ça, on va aller à la pause. Puis dans la pause, on va ouvrir la barre de questions. Puis on va répondre à beaucoup de questions par la suite. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller voir l'Asie, là, pour venir de regarder toutes les monnaies. Le Nikkei est en hausse d'un 0,1%. En Chine, on perdait 1%. On peut peut-être regarder la Chine. La Chine, on n'est pas loin de redécrocher à la baisse. Du côté de l'Europe, bien, on était rendu en baisse de 0,16% ici. Donc, complètement neutre. C'est sûr que si on décrochait sous ça, ça serait un décrochage important, mais si on décolle, ça va ressembler beaucoup au marché américain. On pourrait revenir, là, au moins à 6,326, puis peut-être au sommet. Moi, pour le moment, je vois les États-Unis comme une petite correction après la journée d'hier. Tant qu'on ne continue pas demain à la baisse, on garde le cycle dans lequel on est maintenant, qui est un léger cycle aussi, avec un objectif d'aller vers les 210 points. On a beaucoup de résultats financiers encore. On est dans les derniers, par exemple. Canadian Solar en rebond de 15%. Zogenix, on n'a pas. Je vais juste m'arrêter au plus gros, là. CNG Energy, 53% de baisse. Les revenus sont en baisse de 32%. Après ça, REX, c'est un léger rebond dans l'énergie. Oh, ces titres-là, ils ne montent pas beaucoup. On va en trouver des, on va en voir des plus beaux que ça dans le secteur énergie qu'on va analyser tantôt. EA va super bien avec ses jeux vidéo en hausse de 15%. Macy's fait partie des titres, là, qui font chuter le commerce de détail. C'est le gros responsable. Moins 14%. Les résultats étaient bons. À part les revenus qui étaient en baisse de 7%, on a battu les attentes des analystes, mais les guidance, les prévisions ne sont pas bonnes. Puis ça, c'est à cause, comme je vous disais, de Amazon, là, qui vole de plus en plus de parts de marché. Donc, on va aller à la pause. On revient, on met la barre de questions aussi. Puis après ça, on va continuer les nouvelles. Ah, bon, ça que j'ai mis mon... Je l'ai mis là, excusez-moi, je pensais que c'était la longue pause. Donc,
je vais juste arranger ça, ça va m'aider pour les indications. Je suis désolé, donc on continue. On a Galena Biopharma maintenant, qui reste neutre. On a Walt Disney. Walt Disney rebondit, moins 4 %. On est à peu près à moins 6. On est ouvert, en fin de compte, sur la ligne de tendance. Les raisons qui expliquent la baisse sur Walt Disney, là, il y en a deux en premier. La première, c'est la baisse des revenus dans la télévision, autant sur leur chaîne là, spécialisée pour l'enfant que leur grosse chaîne ESPN. Il y a de plus en plus de personnes là, qui coupent ESPN, le cord-cutting aux États-Unis. Au début, le sport résistait parce que c'est une des seules choses qu'on veut vraiment écouter en direct. Le sport, là, ça ne donne rien de regarder un match de football quand on connaît les résultats. Mais le monde, ils doivent trouver que ça coûte trop cher d'avoir ESPN dans leur forfait de télé. Puis ils trouvent d'autres moyens de l'écouter. On va fermer la barre de questions, s'il vous plaît. Puis on a déjà beaucoup, beaucoup de questions. Donc, c'est pour ça que Walt Disney chutait. Puis aussi, ils ont fermé leur... Il y avait une compagnie là, de jeux vidéo qui s'appelait Infinity, puis ils ont fermé ça aussi, donc il y a eu une charge pour la fermeture. C'est les raisons qui expliquent la baisse de Walt Disney. Et après ça, on s'en va à Yingli Green, qui continue son rebond d'hier finalement. Il avait ouvert en baisse, puis on rebondit depuis. Là, ça, c'est un graphique en 2 minutes. On voit que c'est pas un super beau graphique. Et après ça, on arrive avec nos résultats financiers canadiens. Donc, First Majestic a dégonflé, mais résiste. C'est vraiment Kinross qui a tout perdu. Pourtant, ses résultats étaient OK. Sun Life, lui, reste en bonne hausse. Puis dans la santé, Nobilis Health Pharma décroche complètement. On a fait une perte de 7 sous. On s'attendait à un gain de 2 sous. Puis l'autre grosse nouvelle qu'on a, c'est Office Depot puis Staples. Donc, il y a un juge hier qui a émis une injonction préliminaire pour bloquer la fusion. Puis en soirée, par la suite, Office Depot a dit qu'il ne ferait pas appel de la décision puis qu'il cancellait... La fusion entre les deux compagnies. En date du 16 mai, là, ça va être officiellement terminé. Donc, quand on regarde les deux compagnies, là, on voit que ben, ça baisse depuis, en fin de compte, là, l'année passée. Mais ce qu'il faut se dire avec quelque chose comme ça, parce que c'est peut-être qu'il y en a qui se sont fait prendre puis qui l'avaient puis qui espéraient tout le temps la fusion, quand il y a une offre d'achat sur un titre ou sur deux titres, toujours mieux de sortir de la position que d'attendre, parce que on voit, là, ça doit faire, là, c'est depuis ici, grosso modo, là. Donc, ça fait plus qu'un an qu'ils essayent de finaliser, puis qu'à cause des tribunaux, puis des lois de la concurrence, c'est comme deux gros détaillants de bureaux, il n'y en a pas beaucoup, donc ça ferait probablement un monopole, puis c'est pour ça qu'il y a un juge qui a refusé la fusion. Donc, habituellement, là, tu sais, des fois, le monde disait, est-ce qu'il faudrait avoir une suroffre? Mais il faut commencer pour penser à une suroffre, de voir qui pourrait renchérir là-dessus. Dans ces deux compagnies-là, il n'y en avait pas vraiment. Puis quand il y a des sur-offres aussi, là, souvent, là, on va le savoir tout de suite, le titre va continuer à monter. J'ai un bon exemple là, que je parlais ce matin, là, c'est MDVN. Il y a deux compagnies qui courent après cette compagnie-là en ce moment. Il y a Pfizer, puis il y en a une autre que je ne sais plus c'est qui. Je pense que la première offre a eu lieu ici. Puis on le voit tout de suite, parce que quand tu regardes les nouvelles sur le titre, les analystes disent qu'il va avoir sur offre. Puis après ça, à chaque fois qu'il jump, c'est des offres supplémentaires qu'il y a eu. Donc, un titre comme ça, si on l'avait déjà, ça peut valoir la peine de le garder. Surtout qu'il a monté 10 jours après. T'sais, ça ne fait pas 2 mois qu'il est stable. Si ça faisait 1 mois et demi qu'il était stable, je ne pense pas qu'on aurait une nouvelle sur offre. Donc, ça, c'est la première chose. Puis quand on a un titre comme Medivation, bien... Exemple, on va lire les nouvelles dessus. On va le savoir là, que les analystes pensent qu'il y a une suroffre et que ça vaut la peine de le garder. Mais la journée que la dernière compagnie va faire une offre, puis l'autre va dire qu'elle n'en chérit pas, c'est la journée qu'on va savoir que c'est peut-être le temps de sortir de la position. Surtout aussi, disons qu'un titre de santé qui en achète un autre, là, ça ne créera pas de problème de concurrence au niveau des tribunaux, puis au niveau des lois, des lois de la concurrence, puis ces choses-là. Donc ça, c'est moins risqué. Des conservés. Donc, c'était ça qu'on avait là, pour Office Depot. Après ça, on a une dernière nouvelle au Canada. Donc, on a toutes les entreprises là, dans les sables bitumineux ont recommencé à redémarrer leur opération. Ce matin, tout est en baisse parce que le pétrole a ouvert en baisse, mais là, tout a décollé sur les inventaires. Donc, Suncor continue son élan d'hier. Imperial pourrait même passer en élan aujourd'hui. CNQ était en élan haussier hier. Athabasca Olsen rebondit. Je ne sais pas à quoi ça ressemble en intra-séance. Ce n'est pas intéressant du tout. Cenovus serait à surveiller. J'en parlais ce matin. Là.
Lui, on s'en va à la pause dans 30 secondes. Mais ça, c'est un titre que je montrais tantôt. C'était-tu lui? Ouais, donc on le voyait là. Lui, là, aux alentours des. On pourrait avoir un point d'entrée ici qui nous amènerait, qui pourrait nous ramener vers les 20 $ sur Synovus. Donc, ça peut être intéressant de l'acheter avant l'élan haussier. Puis sinon, on s'en va à la pause maintenant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On va juste aller passer les titres d'énergie ensemble, puis par la suite, on va regarder vos questions. Il y en a beaucoup. Je vais peut-être répondre même à des questions qu'on n'aura pas le temps de répondre en regardant les titres d'énergie. Donc, premièrement, le pétrole, on l'a dit, il est à un niveau important, double résistance à 46. Là, le vrai pétrole, on est rendu à 46,13. Il continue de pousser. Les titres d'énergie, on est encore limite pour que ça devienne un cycle haussier, mais ça devrait y aller. Donc, aujourd'hui, exemple, un titre comme Whitecap. Lui, on avait une nouvelle dessus que j'ai passé vite, là, mais il achète des actifs de Husky Energy pour 600 millions. Le titre est en élan. Autre, la petite résistance qu'on a ici, là, il n'y a pas d'autre résistance par la suite. Il pourrait aller quand même un peu plus loin. Quand on regarde sa tendance ici, mais on a quand même là, c'est 11,40 presque, ce qui nous donne pas loin d'un dollar 60 de hausse. Donc ça, c'est intéressant. Quand on le regarde maintenant, on va regarder ça en... 3 minutes. On est, pour le moment, on a fait donc un beau cycle là, depuis, parce qu'on avait chuté puis on a rebondi. Le prochain point là, peut être aux alentours des 10 $ sur Whitecap. Un titre comme Birchcliff, il est vraiment intéressant aussi. On n'est pas très loin d'un élan haussier. Crescent Point, c'est un élan haussier en ce moment, encore serré. Kelt Exploration, c'est exactement le genre de titre là, qu'on peut acheter en intra-séance maintenant ou sur le prochain point. Si on l'achetait ici, on sortirait vers les 4 et 10. Puis c'est un titre que si l'énergie continue, qu'on peut avoir un excellent point d'entrée dessus. C'est en l'achetant ici, 4 et 15, si on décide de sortir à 3,90 $, on perd 25 sous. C'est un peu plus que 5 %, mais si on voit que ça l'avorte aussi dans la journée, on peut le sortir plus tôt. Puis si ça continue à monter, mais quand il va être réellement en élan haussier vers 4 et 30, on va déjà nous avoir fait 15 sous. Donc ça, c'est un des beaux. ARX qui est en élan baissier ce matin, lui, il est plutôt stable. Synovus, bon, on en a parlé tantôt. Plusieurs titres dans l'énergie à surveiller. Savannah, il chute. Donc, c'est vraiment en ce moment au Canada le secteur le plus intéressant. Puis les marchés, eux, ils restent dans leur position importante. Donc, plus qu'on va rester dans cette formation neutre-là, plus si on décroche, ça va être dangereux pour qu'on continue à effacer une partie des points. Puis à la hausse, bien, plus qu'on reste là longtemps, plus que... Si on redonne un coup, on va inverser notre couloir qu'on avait formé ce matin. Donc, si on va avoir plus de chances de revenir positif. Toronto, on semble encore pousser un peu. Là. Ça reste vraiment notre secteur énergie. Consommation stationnaire chute beaucoup. Je vais aller vous le montrer, mais c'est surtout aux États-Unis. Là. Aux États-Unis, on parle 1,77 %. Regardez, pour ceux qui ont gourou, disons qu'on veut voir là, c'est quoi qui se passe dans la consommation discrétionnaire. On irait sur New York. Là, je vois CD 17 élan baissier sur les 21. Puis là, si je clique ici sur les 17, on va les voir. Donc, beaucoup de grands magasins de vente au détail. Donc, ou des titres de détaillants de vêtements. Skechers, c'est des souliers. Wolverine, ça, je ne sais pas c'est quoi. Deckers Outdoor, ça, c'est des magasins de plein air.
VF Corp, ça, je pense que c'est... je sais pas, je pense que c'est North Face puis d'autres détaillants comme ça, mais ils décrochent. Vince Holding, on a rebondi. Macy's, on le voyait, c'est pas un élan baissier, il était ici l'élan, mais c'est lui qui est responsable du secteur. Target, il chute de 5%. TGX chute de 3%. Donc, c'est vraiment des grosses, grosses baisses. Je vous dirais même que c'est rendu trop fort pour penser à les vendre à découvert. Un titre comme American Eagle en baisse de 3,5%, ça, il y a encore du potentiel. Ça pourrait se rendre à 13 $, donc c'est à peu près 7%. Foot Lockers, ben là, on est sur un point important, mais si on faisait un nouveau bas aujourd'hui, là, on aurait les pieds dans le vide. Prochaine cible, ça serait 51,50. Signette aussi, il décroche, pourrait retourner vers notre creux de 95 $. C'est encore 8 $ qu'on peut faire. DSW, donc c'est vraiment le plus gros secteur, celui qui perd le plus. C'est celui-là qui amène toute la baisse aux États-Unis. Puis on le voit aussi avec consommation discrétionnaire au Canada. C'est le seul secteur qui était aussi qui va revenir neutre aujourd'hui. On a Restaurant Brand là, qui fait des nouveaux bas, donc qui décroche. On a Thomson Reuters qui perd toute sa cote. On a moins de détaillants au Canada, là, mais regardez Hudson Bay de presque 2%. Il devait en perdre à peu près 2,5-3 ce matin. Puis c'est à peu près le seul détaillant que je pense qu'on a. Gildan au support, mais lui, il vend des... Lui, c'est différent, c'est pas des magasins, mais il baisse quand même aussi. Yellow Media, Reitmans aussi, c'est des commerces de détail. Donc vraiment, puis même... Canadian Tire qui reste quand même plus solide en baisse de 2% dans sa tendance haussière, mais qui n'échappe pas à la vague de correction dans les détaillants. Donc, on va aller répondre à vos questions. On en a beaucoup. Les deux premières, c'est des vieilles. C'est ceux qui datent de là quelques jours. Donc, Valeant, acheté à 38,20 ce matin. Je pense que c'est quand vous l'avez acheté, vous, je pense que ça, c'était le 6 mai, ces questions-là. C'était lundi ou mardi. Bien, 38,20. Ah, il n'a pas touché, donc ça devait être... Ah non, 38,20. Non, c'est ça, on n'a pas touché ici. Donc, ça veut dire que c'était ici. Bien, vous l'avez acheté sur faiblesse, vous espériez qu'il rebondisse, il ne rebondit pas pour l'instant. C'est dur, là, je pense que 33, ça semble être le support qu'il a fait ultime. Donc, rendu là, je pense qu'il faut le garder puis espérer un rebond, là, mais s'il passe sous les 33, il faut sortir de ça. Analyser FLY... Fly Aerospace, là, je ne me souviens plus exactement. Ça, c'est une entreprise qu'on a déjà reçue en entrevue, je pense. Donc, vous pourrez toujours vous référer si vous voulez en savoir plus sur Décision Plus dans la section entrevue. Sinon, 20 sous, c'est le prochain élan aussi. Je pense qu'ils mettent des boîtes noires dans les avions pour les surveiller en temps réel. Ça, maintenant, c'est des questions d'aujourd'hui. J'ai 12 000 DBO achetés à 51 sous. Donc ici, je ne pense pas que c'est la première fois que vous posez cette question-là. Est-ce que je devrais attendre avant de vendre? Mais vous devriez prendre un profit, c'est certain. Nous, c'est ce qu'on dit. 13 sous, vous faites en haut de 10 %. Il faudrait prendre un profit, mais vous en avez 12 000. Donc, vous pouvez en vendre 6 000. Il va vous en rester. Vous en avez donc pour 6 000 $. Vous pouvez en vendre pour 3 000. Puis là, vous allez avoir une marge de manœuvre. Puis après ça, en bas de 55 sous, bien, on vendrait le tout au complet. Ça serait ça ma stratégie. J'ai acheté du LED mardi matin. Là, on est mercredi, mardi, hier, à 5,43 $. Ouais, mon mardi, c'était peut-être ici, là, mais en tout cas, 5,43 $. Pensez-vous que les orifères pourraient percer vers le haut? Bien, aujourd'hui, les orifères, j'en ai parlé, je pense que c'est un des secteurs les plus faibles qu'on a. Là, ça rebondit un petit peu. Je pense, par contre, que vous devriez prendre un profit. Vous faites 60 sous, vous faites 10 %. Sécurisez votre position. Votre point d'entrée n'était pas super bon déjà. Le point d'entrée, le meilleur, c'était le 6 mai. C'était vendredi passé. Vous, mardi, c'était ici. Donc, prenez un profit, puis si ça revient à votre prix payé, puis que les orifères, ils décrochent en cycle baissier, bien, vous sortez au complet. On va aller à la deuxième pause, puis on va finir avec les courriels. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. À la question suivante, j'ai acheté PTK 1,7 avant son gros mouvement qui avait redescendu jusqu'à 95 sous. Que faire maintenant? Vous l'avez acheté ici, vous me parlez de cette cote-là. Il faut prendre un profit. 1,25 $, 1,07 $, 18 sous. Vous faites à peu près 15 %. Donc, moi, je prendrai un profit. Si après ça, il décroche sous la tendance, on pourrait réduire davantage, fermer. Puis s'il repasse à la hausse, bien, vous allez avoir la décision de conserver ce qui vous reste ou d'augmenter votre position. Mais vous devriez prendre un profit comme vous auriez pu en prendre un aussi un peu plus haut. Il ne faut juste pas hésiter à prendre des profits, surtout sur ces titres-là. Puis surtout quand on vient de voir une cote comme ça, moi, ça m'aurait dit prends un profit tout de suite, Pat. Bonjour, Max SWY, acheté 20 000 à 96 sous. Vous êtes 96 sous. Est-ce qu'il a touché 96 sous ici? Non, non. Vous l'avez acheté, on va dire, dans ce coin-là, ici. C'est une grosse formation neutre en ce moment. En fin de compte, moi, je pense que s'il retourne à votre prix payé, on sort. Puis sinon, on attend. T'sais, déjà, là, il a décroché, mais c'est faible. Donc, prix payé, on sort à 100 %. Puis à la hausse, bien, tant mieux. Puis si vous commencez à faire du 10 %, je prendrai un profit aussi sur ce titre-là. LUN Toronto, payé 4,76 $. Que faire? Merci. Donc, vous l'avez probablement payé ici sur l'élan haussier. Je pense qu'on en a parlé dans les émissions, là, mais il fallait sortir ici à 4,30 $. Là, vous êtes à 4,17 $. Vous êtes sur un support qui a brisé ici, mais c'est un faux mouvement. Donc là, on espère qu'il revienne vers le haut. Puis si là, vers 4,50 $, ça commence à être faible dans les mines, bien, vous pourriez réduire à ces niveaux-là. Au moins, votre perte va être moins grande que si vous attendez encore une fois qu'il passe sous les 3,90 $. Mais là, on est à la hausse. Le secteur minier, lui, il est super beau, London Mining. Puis si on vient voir le secteur minier, bien, il est reparti. Puis Tech, puis First Quantum aussi, il était intéressant. On est dans le rebond, d'ailleurs, là, sur à peu près tous les secteurs en ce moment, sauf conso de base puis conso discrétionnaire. WCP, un achat. Bien, je l'ai dit tantôt, WCP, ça peut être un achat 3,45 $ aujourd'hui. C'est sûr que la perte va être à 9,20 $, donc ça peut être quand même une perte qui est un peu plus importante que ce qu'on viserait. Sinon, votre autre option, ça serait de sortir sur l'inversement de la tendance. Puis plus le titre il va attendre, plus que sa tendance ça va être haute, puis plus que le prix va être intéressant, ou va être bien, votre perte va être plus mince. Mais avec le pétrole qui monte, je pense que ce titre-là peut continuer. Tantôt, on a vu qu'il pouvait aller jusqu'à 11,40 $. Mais disons qu'on se donne une cible là, aux alentours de 10,50 $. Pour le premier profit, là, ce qui vous donnerait un 60 sous de gain. Donc oui, c'est un achat. NMX acheté 10 000 à 1,23 $. Vous l'avez acheté aujourd'hui, c'est un élan haussier classique. Mais l'important, ça va être de sortir. C'est entre 1,13 $ si on suffit sur la tendance, ou sinon c'est en bas de 1,10 $. Donc 1,9 $. On parle donc d'environ une perte de 14 sous. C'est sûr que ça va être un 10 %, c'est une grosse perte, mais souvent sur les titres de croissance, il faut accepter davantage de risques. C'est un titre qui est aussi intéressant. Il n'est pas super beau en intra-séance, là, mais des fois, il peut être plus beau que ça. Son volume est bien. Donc, je pense que c'est un bon achat. Juste, n'hésitez pas à respecter la perte ici et à prendre un profit quand ça va être le temps. MEG payé ce matin 5,30 $. Vous l'avez acheté donc sur faiblesse. Je ne sais pas à quelle heure vous l'avez acheté à 5,30 $. On va le regarder en intra-séance ici. Bien, c'était parfait parce que c'était sur les inventaires de pétrole à la hausse. Là, vous êtes déjà à 5,76 $. Vous faites 46 sous. Regardez, je pense que s'il y allait à 5,70 $, je prendrais un profit, moi, dessus. Puis à la hausse, là, si on se rend à 10 %, je prendrais un profit aussi. Ça a l'air de vouloir continuer à pousser dans l'énergie. Donc, vous avez des chances de vous rendre. Puis, on ressortira après ça au prix payé à 5,30 $. Là. Je pense que ça serait pas mal parfait comme transaction. Il nous reste encore quelques temps. Acheter SW à 23,46 $. Donc, vous l'avez acheté grosso modo
23 et 46, dans cette journée-là. Lui, là, pour l'instant, vous êtes toujours en bonne position. Vous l'avez acheté sur sa journée des résultats financiers, probablement, ou sinon, si c'est après, c'est correct. Des fois, quand on l'achète sur les résultats financiers, on peut être déçu. Ce qui est important, vous, là, c'est que vers les 22,50 $, là, vous sortiez de votre position. Ça va déjà vous donner un 4 % de perte environ. Puis s'il repart en élan, tant mieux. Il faut juste, là, si 23,56, 23,60, 22,56, 22,60, il faut sortir de la position parce que ça va montrer un élan baissier. Puis là, on pourrait revenir puis effacer la grosse cote. HSU, bon achat ce matin. Bien, nous, sur Guru.tv, on a recommandé l'achat de Upro aux États-Unis, mais c'est la même chose, c'est juste qu'Upro est ça. Ici, le 6 mai, vendredi. C'était pas encore en élan, mais avec le rebond qu'on avait acheté ce matin, bien, il avait déjà fait une grosse cote hier. Moi, ce que j'expliquais, c'est qu'il faut quand même, tempérer nos ardeurs de potentiel de marché. On voit qu'il y a énormément de résistance ici. Donc, en l'achetant hier, disons que vous avez payé aux alentours de 31,30, le prix payé, même s'il se rend à son sommet 32,30, c'est juste 1 $ que vous faites, c'est à peu près 3%, 3,5%. C'est pas beaucoup. Et votre potentiel de perte est quand même élevé, puis il est surtout difficile à... ça va surtout être difficile de sortir de la position. Mais si on regarde ça en 30 minutes, vous devriez peut-être vous servir de la ligne de tendance à 31 $ ou sous le creux d'hier, sous les 30,96 $ pour sortir. Comme ça, vous allez au moins minimiser votre perte. Par contre, si ça retourne à la hausse, il ne faudra pas hésiter à prendre un profit aux alentours des 32, 32,30 $. Là. Donc, on va être assez résistant. Ça pourrait être le sommet. C'est ce qui met fin à l'émission. Donc, énergie mine, c'est ce qui est le plus intéressant. Or, on rebondit, mais si on venait faire des nouveaux bas, puis vos titres partent en élan baissier, un peu comme King Ross qu'on a montré, il faut sortir. Si vous en aviez acheté ce matin en day trading, puis que ça fait des nouveaux bas, il faut absolument sortir des positions aujourd'hui. Je vous souhaite tous une bonne journée. On se revoit demain à 11h30 aussi, le jeudi 12 mai.